Eh bien salut tout le monde, c'est parti pour la nouvelle vidéo en roublard avec Naelium. On est contre un autre roublard, super le match-up, roublard, que à mon avis c'est un des match-up que je gère le moins parce que bon, les mecs sont meilleurs que moi hein. En général, let's go en roublard R contre un roublard R, ça me fait un peu flipper ce match-up hein. J'ai plus de vita que lui. Mais limite je crois que je vais spammer ce Dagoubrang. Attends, est-ce qu'il a un no coco et tout? Ouais il a un no coco, il a pas d'émeraude, alors que moi j'ai émeraude abyssale, mais il doit taper plus fort que moi à mon avis hein. Ok. Il nous fout ses bombes. Je vais quand même lui mettre une petite deck boomerang là. Ouais, on y va le faire ça comme ça. Je vais mettre notre petite bombe par là. Allez, let's go. Et on va faire ça comme ça. Tranquillos. C'est vraiment un matchup que je gère pas parce que bon, les mecs sont meilleurs que moi en roublard. C'est un peu normal. Hein. Moi, je joue ça depuis une semaine et demie. Et les gens, ça doit faire. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je connais pas le mec. Ça se trouve, ça fait 2 jours. Ça se trouve, ça fait 3 ans. Enfin, voilà, je peux pas savoir. Après, ça veut rien dire, roublard contre roublard, c'est quand même un match-up assez aléatoire, hein. Franchement, enfin, aléatoire. Si, il suffit qu'il tente un kill et que ça passe pas, et après, moi je peux le tuer derrière. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent. J'ai déjà gagné des roublards comme j'ai déjà perdu contre pas mal de roublards, mais. Enfin bref, ça veut vraiment rien dire. Bon, il m'envoie une bombe vers moi, d'accord, très bien. On va kaboomer Kaboomos, la formule magique. On fait tout péter. On va balarguer notre petite bombe agi, je sais pas où. Je sais pas où, on va la balarguer là. Et il me reste 3 PA, à votre avis pourquoi? Pour charger une bombe feu, mais on va reculer comme une grosse tapette. Il a combien de PM lui? Si, c'est... On va faire la tapette pour l'instant. Hein. On va mettre ça là. Nickel, je suis là pour éviter les espingoles en plus. C'est lui qui me rush. Je préfère que ce soit lui qui me rush perso. Après, vraiment, ça peut se jouer vraiment rapidement. Moi, je trouve que j'ai plus de vitalité et plus de résistance agi. Donc, j'ai une petite chance là-dessus. Après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose hein, parce que ça va plutôt se jouer au skill, à mon avis. Mais c'est mieux que ça se joue au skill qu'au stuff. Hein. Moi, je préfère ça. Donc, normalement, le mec joue mieux que moi. Donc, normalement, il gagne, hein, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, les gars, merci pour vos retours sur les dernières vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Bon, pas mal de bons retours et tout. C'est vraiment cool. Ça motive. Donc, continuez comme ça à mettre des likes. À mettre des commentaires, à donner vos avis et compagnie. Il va tuer ma bombe là-bas, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc ce qu'on va faire nous, on pète ça. On fait comme ça. Ah putain, elle veut pas mourir cette conne. Et on va assurer le kill, je pense. Ouais. Merde, la diagonale noire est pas là, elle était où j'étais? Ok, let's go. Ok, let's go. On fait moins 414. Il y a le de coco qui tombe, je crois. Voilà, donc il repart full vitalité. Je lui ai tué une bombe. Bon, après, ça peut pas faire grand chose. Après, s'il pose une bombe là, je sais pas comment ça marche. Ok, j'aurais pas dû me placer là, peut-être. Hein. Ok, il tue cette bombe là. Peut-être tuer là. Et bon, c'est un peu. Ouais, le match risque d'être un peu chiant. Hein. Si ça part comme ça risque d'être bien casse-couille. Alors, ça dépend où il se place. Il reste 3 PA, d'accord. Bon, on va essayer de faire comme ça. Putain, c'est dommage qu'elle meure pas, c'est bon. On va faire comme ça tranquillement. Allez, let's go. C'est vrai qu'on crame pas mal de cooldown, là c'est un peu dommage, mais bon. On va aspirer tout ça. Et là, je sais pas trop ce que je peux faire avec mes PA restants. Parce que de toute façon c'est bon, ils vont pas mourir, je vais reculer celle-là, tu sais quoi. Ça va peut-être le gêner ça. Allez, let's go, on lui a mis 400, là il peut me mettre dans mes propres bombes, c'est grave possible. Ah il est pas con, il sait très bien que je suis là. C'est normal, hein. C'était l'endroit le plus logique en même temps. 3300 points de vie, j'en ai 4400, il peut peut-être faire un bon combo, je sais pas trop ce qu'il peut nous faire de beau combo là. Hein. Si limite le pire ce serait qu'il me mette dans mes bombes, après c'est pas trop grave parce qu'on peut vite recaboom. Il va mettre 100 roublabots, il va peut-être me mettre dans deux murs différents, c'est possible aussi, il a 3300 de vita. Pour l'instant, j'ai mes 3 bombes. Hein. Il réfléchit, mortifère, pardon. Maîtrise. Est-ce qu'il est kaboom? Il est pas kaboom. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Ah putain, ça c'est chiant par contre. Moi, je pense qu'il va me mettre dans mes propres bombes. Il va attirer la mienne. Il va pousser. Ouais, mais c'est pas trop grave parce que. Voilà, regardez. Ça... Moi, je tape pas très fort. Donc, bon, ça me dérange pas plus que ça. On va kaboomos, kaboomer. On va attirer, s'attirer. Hop, voilà, ça dégage. Bon, là, je suppose qu'il est parti là. Ça serait le plus logique. Donc, on va le tenter une petite espingole. Allez, normalement il est là. Et il m'a brain, très bien, c'est pas très grave. Il doit être là-bas du coup, il doit être en face. Hein. Alors, je suis kaboom. On va terminer là. Ouais, c'est bien ça, il m'a brain, mais bon, j'ai dépensé que 4 PA pour essayer ça, c'est pas très grave. Hein. Ok, il va bot, non, il va rémis, il va libé. Ok.
Il a peut-être. Non, il reste plus que 3 PA, c'est ça? Ah, cette fois-ci, il a pas de cooldown, hein, donc il a pas de. Il a peut-être. Ouais, il a que l'entourloupe, mais il va pas cramer l'entourloupe maintenant. J'ai pas de roublabot non plus, mais j'ai l'entourloupe de mon côté, mais je pense pas pouvoir l'utiliser réellement maintenant. Hein. Ça me semble compliqué. Surtout s'il recule comme ça. On va tranquillement se booster. Merde, putain, mais des fois je bigle. Hein. C'est pas grave, on va faire comme ça. Va se mettre dans le coin. Je crois pas qu'il ait le roublabot disponible. Le combat risque d'être un peu chiant, les gars. Hein. Enfin, chiant. Enfin, ça va, c'est quand même assez serré pour l'instant. Mais ça risque d'être un peu du spam espingole de côté hein, au bout d'un moment. Hein. Après, ça dépend qui c'est qui a le plus de couilles. Pour l'instant, c'est un peu plus lui quand même. Ok, bon. Kaboom, d'accord. Bon, moi je suis toujours Kaboom, non? Pas trop pourquoi il a botte là, c'était pas ouf. Enfin, ça sert pas à grand chose, je crois. On verra. On verra, on verra. Il me reste 0 PA. Bah, c'est bizarre parce que là, je peux carrément le mettre dedans, à mon avis. Il suffit que je fasse ça. Comme ça, je libère le passage. Je mets ça là. Je fais un dernier souffle. Hop. J'envoie le petit Ruby Rouba. Et normalement ça le tue parce que j'ai quand même des très grosses bombes. Il n'y a pas de raison que ça kill pas. Et normalement ça passe. Tain, je vais gagner un roublard. C'est pas souvent. Enfin, je dis ça, c'est trop, je tue pas. Hein. Ouais, si ça passe quand même. Hein. 1800 là. 1000. Allez hop, let's go. Ça passe le petit roublard. Allez, n'hésitez pas à laisser un max de like déjà pour ce combat là. Ça fait plaisir. Même si tu n'es pas forcément très bien joué. On s'en fiche. Alors, j'ai combien de coachs? J'en suis à 4593. Vous avez vu que j'étais monté à 4660. Malheureusement, après j'ai perdu quelques combats. Ce qui est un peu chiant, c'est que je perds pas mal de combats à cause des bugs. Souvent. Ça va être chiant, hein. Les crats, de toute façon, vous savez très bien que c'est casse-couille. Il a que 18% agi, mais la map est tellement dégueulasse que. Encore, c'est pas la pire, je pense. Elle est pas trop grande, mais. Ah, c'est compliqué, les crats. Franchement, c'est un match-up, c'est compliqué, ça dépend vraiment de la façon dont il joue. Vous avez vu déjà la dernière vidéo comment ça se passait. Et ce qui est chiant, c'est comme je vous disais, lui, regardez, il a 28 d'esquive PM et je peux pas lui retirer de PM. C'est super chiant. Bon, le retrait PA, c'est pas trop grave. Surtout qu'il me met un peu de dégâts, qui est chiant. Il me met l'expert T1, mais de toute façon, je comptais. Ok, il me fait full bourrin. Ça me dérange pas plus que ça, enfin ça me fait chier évidemment, mais de toute façon il fallait bien que je me prenne des dégâts un jour ou l'autre quoi. Allez, une petite bombe là, on rémissionne. On va mettre une petite bombe histoire de se protéger, enfin surtout pour le Kaboom prochain tour. Un peu pourri, mais il peut me mettre mal, mais je préfère qu'il me tape assez fort et que j'ai mon jeu en place quand même. Hein. Quoique, je sais pas, on verra. Après normalement là c'est le tour où il se booste quand même, hein. Faut bien qu'il se booste un jour ou l'autre. Voilà, tir puissant, il me met... Une glace, deux glacés, bah évidemment lui il a pas de bug retrait PA, hein. Très drôle. Les roublards comprendront cette blague. Non mais c'est vrai quand même, hein. Franchement c'est vrai ce que je dis, hein. Ça change carrément tout. Hein. Bref, c'est PG, on va dire que c'est PG. Il a 6 PM, bon bah on va mettre ça, faut pas que je fasse de free zone. Faire ça comme ça, je fais exprès de m'exposer un peu aux lignes de vue, mais s'il vient me mettre des percées là, il est ultra exposé aux bombes, donc il est dans la merde derrière. Oh, c'est compliqué ce match-up, hein. Moi je vous le cache pas, c'est compliqué, je sais pas trop comment le jouer. Voilà, il vient là, mais du coup, il est quand même vers les bombes quoi. Alors après, est-ce que je vais pouvoir les exploiter? Je suis pas sûr, hein. Pas sûr quoi. Hein. Allez, il va se booster. Une ralentissante, j'esquive, percée, d'accord. Allez, let's go, on va mettre la botte.
On a vu quoi? On a vu un Kra et un Roublard. On va essayer de trouver un autre combat. C'est cool. En tout cas, continuez à mettre des likes, continuez à poster vos commentaires, à donner vos avis et faire des blagues. C'est vraiment cool. Vraiment, ça fait plaisir. Et je vous retrouve pour un autre combat. On enchaîne. Ok, let's go, sûrement le dernier combat. Alors, entre-temps, j'ai croisé 15 millions de SRAM. C'est juste ingérable cette classe. Mais peut-être une vidéo, je ferai contre des SRAM si ça vous tente. Mais franchement, le match-up est vraiment pas intéressant. Je vous déconseille de me demander une vidéo contre un SRAM. C'est vraiment de la merde. Genre, vraiment. Je sais pas comment vous dire ça, mais genre. Soit je spam Espingold avec Boomerang, donc le combat est nul, lui il fait pareil, il spam les pièges. Soit bah en gros, les murs de bombe, c'est juste impossible de faire des murs de bombe contre un SRAM, ou alors c'est vraiment qu'il est débile. Mais c'est le match-up impossible, mais je pense que tous les roublards confirmeront. Hein. Enfin, y'a pas besoin de faire le beau en mode où peut-être vous avez géré un SRAM dans votre vie, mais bon, en gros, les SRAM qui jouent correctement, c'est pas trop gérable, sauf un gros coup de chance. Et c'est un peu chiant parce que j'en croise 1 million. Et en plus, il y a le bug retrait PM, alors peut-être je pourrais tester une fois qu'il y a plus le bug retrait PM, mais avec le bug. C'est trop chiant. Bon là on est contre un Sadida. Sadida j'en croise pas souvent du tout, donc je pense que c'est assez gérable. Faut juste jouer correctement. C'est pas cool, j'aurais pu le bloquer, mais là je peux pas vraiment du coup. Bon on va prendre notre temps. Hein. On va faire comme ça. Hop hop. Ok, la zone avec le Doppel. Nickel. Alors Karambar, Sadida, 200 et un Panoply Chacha. Faut que j'aille le tacler, j'ai 141 de tacle, pardon, faut que j'aille au cac. Essayer de le gêner au maximum, mais une fois que je suis à son cac, je pense que c'est largement gérable. Mais bon, ouais, c'est quand même... Y a pas mal de combats prises de tête et beaucoup de défaites à cause du bug. Mais j'essaierai de vous montrer des combats comme ça contre des SRAM, mais je vous assure que c'est pas vraiment passionnant. Hein. Alors, il va tuer la bombe apparemment, ok, bon, pourquoi pas, c'est pas très très grave, hein. Là j'ai mon prochain tour. Ah non bah il s'est bien placé. La folle. Ah ouais la folle, j'ai zappé celle-là, elle fait chier. Est-ce que je suis infecté moi? Pas encore. Ah la folle, elle est bien relou. Ok, let's go. On va faire comme ça. Attends. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Et on va. Tranquillement roublardise ici. Alors est-ce que je le tag beaucoup, c'est la question. Si je le tag beaucoup on va être bien tout le combat parce qu'il pourra pas partir très loin. Sauf s'il fait un arbre tremblement, remarque. Ouais il va peut-être le faire. Il va faire un arbre tremblement. Il a raison. Allez let's go. En plus je vais prendre un peu de dégâts. Oui il a 6 PM encore. Et il me met un poison para. Alors si je peux tuer la folle maintenant faut que j'en profite hein, parce que va falloir. Parce que là on est nous deux infectés. Ouais la folle elle est loin, elle reste loin en plus, pas de bol. Le Doppel, je sens qu'il va me gêner, je le sens d'ici. Non, ok. Allez, on fait comme ça. Je vais mettre une KO derrière moi pour éviter qu'il parte. Je suis vraiment focus, les gars. Je vais aimanter tranquillement sur moi-même et puis il me reste des PA qui servent à rien, enfin c'est un peu dommage. 4 PA, qu'est-ce que je peux faire avec franchement? J'ai pas grand chose à faire avec ces 4 PA, j'aurais pu mettre un petit sort avant mais tant pis on va taper l'arbre. Ok, je suis concentré, on lui met déjà 800 dégâts. Là il peut me mettre dans mon propre mur, hein. Il met un Groot ici, il me pousse là. Je sais pas s'il va le faire. Mais il prend assez cher au niveau des dégâts, ouais il va le faire. C'est pas très grave, hein. Je vais perdre un peu de vita, mais de toute façon j'allais bien perdre de la vita un jour ou l'autre. Je pouvais pas trop éviter ça en remarque. Hein. J'aurais peut-être pu. Non, j'aurais pas vraiment pu éviter. Ok, bon ça va, il part pas loin là. Hein. Ah bah là il est mort à mon avis quand même. Non, je sais pas, il a 3000 vita. Avec le Groot il va me pousser, certes. Hop, ce qui est chiant c'est que j'aurais pas de ligne de vue pour faire péter là, je pense, avec 3 PM. Parce que là si j'entourloupe, je suis là. Quand même tester, allez let's go, je teste. Hop hop, on aspi, bim, 1700. Bah de toute façon du coup j'ai la ligne de vue pour faire péter, donc ça doit être bon, pardon. Je fais comme ça et bim. Ok, ça passe contre Sadida, donc c'était pas très bon, peut-être essayer de trouver un dernier combat. Bon ça a marché, ça a bien marché ce combat contre Sadida, mais normalement Sadida je pense que c'est un match-up si dur que ça, c'est pas forcément super simple, mais bon ça va, les petites coupures. Allez on se contre un Inutrof 2 et 4, je crois qu'il est pas mal cet Inutrof, pas mauvais, donc il va sûrement m'éclater parce que bon,
Bon, il y a des inutrophes, non, c'est gérable, mais un bon inutrophe, s'il a pas mal de fuite ou qu'il joue correctement avec un gros cac bourrin, il peut largement me défoncer. Hein. Donc en plus, il a l'initiative. On va voir ce que ça donne, mais bon, ça me semble compliqué. En plus, la mauvaise map, quoi. Il y a des maps cac où on peut le tacler facilement. Là, c'est super dur de tacler. Il est en Striglour, tout simplement, sur son inutrophe. Pourquoi pas? Ouais, c'est dommage parce que franchement, une map cac, les inutrophes, ça devient bien plus facile. Ok, il rush apparemment. Pff, oh là là, c'est quoi ces dégâts? Il tape fort. Hein. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Il remarque que s'il lance Striglour, c'est pas avoir tant de fuite que ça, mais par contre, il doit taper assez fort. Hein. Allez, let's go. On met nos petites bombombes. On va juste faire ça pour éviter de se prendre un free remblai. Quoique c'est un peu con parce qu'il va remblai ici. Bon, après, il y a la rémission ici, il ne devra pas taper trop fort dessus. Il a que 4000 vita, donc on sait jamais sur un malentendu. Genre, j'arrive à faire un bon tour explosion, peut-être. J'ai même de faire le kill. Après, faut-il qu'il soit à mon cac, hein, parce que bon, de loin, je peux certes faire des espingoles, mais c'est pas ça qui va me faire gagner un combat. En tout cas, je sais pas s'il est en strigé, dans tout cas, il est en Glourson, hein, mais il est peut-être en strigé parce qu'il est quand même en deux turquoise nébuleux. Il va essayer de tuer la bombe feu. Bon, s'il la tue, c'est pas très grave. Il chance, il faudra que je le tacle. Le problème, c'est que même si je le tacle, soit je le tacle, soit je roublardise, mais je sais pas parce que. Il va me mettre un gros coup de cac et ça peut faire mal. J'hésite un peu. Bon, bah, je crois que je sais ce que je vais faire. Alors, déjà. Hop, hop. Bon, on va faire comme ça, hein. C'est un peu risqué, mais on va le tenter comme ça. Allez, let's go, on va à son cac. Je pense que je vais prendre un gros coup de Glourson sa mère. Ça va être très violent. Il est full boost, il est une chance nébuleux, mais j'ai envie de le tacler. Allez, on va voir ce que ça donne. Flamish, il est encore en spare. Je le tacle pas mal par contre, cependant. Il a pas crit, heureusement qu'il a pas crit. Putain, heureusement. Hein. Oh lolo. J'ai qu'il met moins 600 sans crit, alors en crit, laisse tomber. J'ai de la chance et il met 500 dégâts force de l'âge. Bon, ça va parce que bon, il tape fort, mais au moins il va pas aller très loin. Normalement. Hein. Ouais, il devrait pas aller trop loin, normalement. On va le ramener comme ça. Putain, il a 90 de tac le bâtard, j'avais pas vu ça. On va quand même faire comme ça, je réfléchis longuement. Allez, let's go. On met dans les bombes, on fait la petite espingole, on se remet dans les bombes. Nickel, il est bien taclé. Là, s'il tue pas les bombes, il y a moyen de faire que je pense qu'il va mettre un sac animé ou faire un truc. Hein. Il va forcément essayer de faire quelque chose. Ah, il essaie de tuer la bombe. Il y arrive, mais il dépense pas mal de PA dessus. Hein. Il va peut-être m'enlever de la PO. Il m'enlève pas de PO. J'ai 14 PA. Ça va être un peu loin pour poser la dernière bombe. Alors attendez, je suis focus, mais normalement je fais ça. Dernier souffle, 1300, ouais ça passe. Putain, je pensais qu'il allait plus me résister que ça. Après j'étais pas si bien niveau vita, mais quand même, ça passe, 4 tours. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ces vidéos en roublard. Je suis un peu fatigué parce que j'ai tourné pendant longtemps en fait. Donc là j'ai plus trop d'énergie. Mais en tout cas n'hésitez pas à me remotiver, enfin je suis encore motivé, vous inquiétez pas, mais à donner de l'énergie avec les likes, avec les commentaires, tout ça. Si vous avez aimé, mettez un maximum de likes. Il y aura peut-être des lives en roublard, je verrai. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Allez voir le Twitter @sapeux, la chaîne secondaire sapeux2, tout ça vous connaissez, allez voir la description, en gros il y a tout. Et puis bonne vacances tout le monde, bonne soirée, amusez-vous bien, bye 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 bye. I'm down with the get down. MCs who used to diss us get pissed cause they ain't shit now. The artifacts represent on every stage we step on. The days of getting slept on are dead because we keep on. Peeping these weak MCs who cheese with their baloney cause they're phony as fuck and couldn't bullshit off with tow trucks. So yo bro, now you know my flow, so go and sit down or come on.